Alors, petit récapitulatif des billets. Ici, on a le billet de 1000 bahts, donc environ 25 euros. 100, donc ben, 2,50 € du coup. 50, donc à peu près un peu plus d'un euro. Et le billet de 20, 50 centimes. Et ensuite, ici, on a les pièces dont la valeur est dérisoire en fait. Hein, du coup. Donc voilà, très beau billet thaïlandais à l'effigie du roi. Et. Bonjour, voici le nouveau moi, voici le David Farang qui est bien crevé. Donc voilà, je dois déjà quitter cette chambre qui était bien sympa et dans laquelle dormi est un bien trop grand mot, je pense, pour le fait, pour le temps que j'ai passé. Disons que j'ai passé du bon temps, quoi. J'ai dû dormir 3 heures en début de soirée et 1h30 entre après 6 h du mat. À cause du décalage horaire, quoi, c'était horrible. Enfin, c'est surtout horrible maintenant, mais bon, faut y aller. Donc, j'attends Donato là. En fait, je vais rejoindre Donato. On retourne à l'aéroport. Et moi, je vais me rediriger vers une guest house plus en centre-ville que j'ai trouvé. Donc voilà, premier tuk-tuk. Salut. C'est spécial. C'est plutôt spécial. Bon, ça va, heureusement, là, il roule pas à donf, ça bouchonne un peu, donc... Khao San Road, ça donne ça. Une grande rue avec des friperies. Alors là, c'est calme le soir, c'est bien la teuf apparemment. Alors voici donc ma deuxième chambre sur au Khao San Palace sur Khao San Road, donc une petite chambre sans fenêtre mais avec clim, avec un petit lit, c'est assez classe quoi en fait. Voilà, largement suffisant pour à peine moins cher que hier soir. Faut savoir aussi qu'au Khao San Palace il y a une piscine sur le toit, donc je vous montre ça ce soir. Là je vais aller manger un truc et me balader. Alors l'inconvénient de suivre des gens c'est que ça fait un peu changer les plans quoi. Je me dis que c'est pas grave, je vais manger un truc parce que là il est 13 h, après je vais aller me balader et puis je terminerai ce soir ici tranquille. Je me fais trimballer par un type en tuk-tuk pour 20 bahts. Il m'a proposé un tour. Soi-disant un truc attrape touriste, mais pour 20 bahts, franchement, je sais pas comment il se débrouille pour gagner. C'est sympa, il m'amène à 3 temps. C'est mon chauffeur privé en fait. Bon bah j'ai fait une bonne balade avec mon ami Rin. J'ai sûrement fait gagner pas mal d'argent aujourd'hui, mais bon, c'est bien pour lui, il a deux enfants.
les trucs du genre, il m'a amené dans des tourist information, même chez un tailleur, vraiment le truc de base quoi, pour se faire avoir. Mais en fait ce qu'il faut comprendre, c'est à chaque fois qu'il m'amène à un endroit, lui il gagne 100 bahts en fait, je crois. Donc moi je fais un peu la comédie, j'achète rien, j'écoute ce qu'ils ont à me dire. Et c'est cool pour lui quoi. J'aurais fait une bonne balade, ça m'aurait coûté 20 bahts, enfin, je vais lui donner un peu plus quand même. C'est une autre façon de voir la chose. Alors ça, je les attendais depuis un moment. Fatra de fil, voilà, c'est normal en Thaïlande, pas de problème. Là il est 5h du matin, je suis toujours le mercredi, c'était mon premier vrai jour et je ne dors pas, je suis pas fatigué. J'ai siesté de 9h à 1h du matin, donc j'ai vraiment bien dormi, après j'y arrivais plus. Donc je pense que je suis encore sous le coup du décalage horaire. Voilà, donc pourtant il y avait la fête dehors, c'était un vacarme incroyable sur Khao San Road là, c'est complètement démentiel. Voilà, donc là en plus j'ai faim. Donc ceci dit, c'est pas impossible de trouver à manger, je pense, à 5h du matin à Bangkok, si j'ai envie de rire. Voilà, donc c'est à la fois la grosse fin de soirée, il y en a qui sont toujours en mode soirée. C'est incroyable, les rues qui sont habituellement si propres. Et je pense que c'est comme ça, mais toute l'année en fait. Toute l'année c'est la fête quoi, ça s'arrête jamais. Et donc le fameux 7-Eleven qui est là, vous voyez, il est toujours ouvert, il est 5h du matin, je crois que ça ferme jamais ces trucs en fait. Hein. Donc ce que je trouverai à manger sera sûrement pas terrible, mais je crois que j'ai pas tellement le choix. Il faudra que j'aille beaucoup plus loin sinon. Donc, voilà. Ça c'est toutes les super boissons qu'ils ont, c'est vraiment génial. Là où je trouve la boisson d'aloe vera, du lait de coco.